Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl, nouveau match, le match 4 donc de Amine dans la Mad Coupe de Sir Madness, un match retour hein, puisque ils devaient jouer 3 matchs avec leurs 3 adversaires et ensuite 3 matchs retour pour équilibrer, et on a donc le nouveau match contre les notables de province de Wilhelm. Donc à l'aller, Amine avait concédé la victoire 1-0, hein, c'était le match où ses armures avaient totalement craqué dans tous les sens. Bon, il n'avait pas eu trop de blessés heureusement je crois, mais ça pétait à chaque coup. Donc du coup on va faire la petite revanche. Alors entre temps, pas mal de montées de niveau du côté d'Amine, hein, il a quand même 4 niveaux dont un plus 1 de force ici qui est pas à négliger. Par contre il a un solitaire, un 3 quarts solitaire, au elf ça reste quand même un 3 quarts à 4 d'AG, 8 d'armure, 6 de mouvement, hein, c'est pas non plus de la merde. En face aucun niveau par contre pour Wilhelm, il a pas eu de chance avec ses montées de niveau, il a quand même des 5 d'XP à droite à gauche je crois, ici aussi un 5 d'XP, donc il a eu pas mal de MVP qui sont mal tombés. Donc encore un 5 d'XP mais pas de niveau, bon il est à la porte des niveaux hein, très clairement. Ce qui fait que sa TV est suffisamment basse quand même et il a pu du coup prendre une serveuse de Blood Vazor, donc il a la fame et en plus une serveuse. Il y a moyen que ça l'aide. Alors il se fait une ligne d'attaque KO, hein, les guerriers, enfin même Nurgle d'ailleurs en l'occurrence, les guerriers de Nurgle devant avec le 4 de force sur les côtés pour pouvoir blitzer. Et une relance supplémentaire et une remise en jeu. Remise en jeu de Amine. Alors Amine hein, qui a toujours ce petit problème de botage, il doit pas viser au milieu, il doit viser un petit peu décalé et du coup bah ça sort. Ce qui est dommage hein, parce qu'en tant que haut elf, lui il a normalement pas trop ce problème là parce qu'il a 4 d'agilité, mais normalement ramasser la balle reste un jet assez compliqué, hein. C'est un jet à 3+ à 50%. C'est un 3+. Et du coup, c'est pas forcément trivial, ça peut faire perdre du temps que l'adversaire doit se déplacer jusqu'à la balle, la ramasser, etc. Donc il faut faire attention, essayez pas de faire des trucs tricky sur les côtés, c'est plus rentable que la balle tombe à côté et que l'adversaire se galère à ramasser 3 tours plutôt qu'elle tombe dehors et que bah du coup il se fasse plaisir quoi, avec une remise en jeu. Bon du coup là le KO hein, qui est passé, ça s'est bien tenu au centre mais là il a fait un petit blitz sur le receveur, un receveur blessé en plus, 3 d'AG seulement. Qui du coup a été sonné, ça va, pas trop grave. Donc il se fait une petite ligne, est-ce qu'il va avancer sa balle? A priori il avance sa balle, ok, il se met là avec sa balle. Il y a moyen que ça... Et il fait une passe qui échoue, il relance, bon il a 3 relances grâce à sa relance gratos. Et ça échoue de nouveau, bon ça va, la balle est bien tombée dans les zones de tacle. Mais c'était un peu tricky cette passe. Il avait 5 d'XP, j'imagine il devait vouloir prendre son petit niveau. Et là, ouais, là par contre on va voir la faiblesse de la défense de... Enfin la faiblesse entre guillemets de Willem, mais à mon avis le 4 de force il l'a pas vu là. Blitz sur un guerrier de Nurgle à 4 de force, il a pas dû le voir venir. Et du coup la balle se fait attaquer. Hein. La balle se fait clairement attaquer. L'infiltration au elf avec des receveurs et tout qui vient en force. Le 4 de force qui va être menaçant, bon je pense qu'il se fera plus avoir là, il l'avait peut-être pas fait attention mais là il l'a vu, maintenant il se fera plus avoir. Il envoie le solitaire au centre pour encaisser un petit peu, pourquoi pas, il marque un peu, ici il va tenter un bloc à 1 dé, il a bloc, ouais ça va. Ça repousse, il poursuit pour se sortir du guerrier de Nurgle, c'est pas mal. Celui-là par contre c'était greedy mais ça paye. La sonnette sur le pourri, bon c'est juste une sonnette mais c'est toujours ça de prix hein. Bloquer un dé sans aucune compétence, c'est toujours risqué hein. Alors ici, le pourri qui s'occupe du solitaire, ça va libérer les deux guerriers de Nurgle, mais bon, solitaire pouvait pas non plus faire grand chose face à trois personnes, hein. Il force à faire des jets. C'est bien suffisant pour lui. Alors, je sais pas pourquoi il blitz là, alors que c'est plutôt ici, peut-être qu'il veut essayer de se dégager un espace pour ramasser la balle et se placer un peu en sécurité probablement. Là il vient mettre un petit peu de force, ramassage qui passe. Il veut absolument faire sa passe, il tente,
Il tente la passe jusqu'au bout, c'est deux relances cramées là-dessus, tour 2. Mais au moins il a pu faire sa passe. Bon, il s'arrête là. Il a pas bougé lui. Est-ce que c'était un turnover? C'était pas un turnover. Pourquoi il a pas bougé lui? Ici le bloc qui fait le taf. Un KO sur un Pestigore, ça fait toujours plaise. Ça libère du coup un joueur qui vient marquer un peu là. Pourquoi pas. Ici bloc à 1D avec bloc. Ok. Et là il blitz, il tente l'esquive à 2+, ça passe, la balle qui tombe. Le 4 de force qui peut se permettre de blitzer tout seul à 2D. Hein. Et là, par contre cette esquive là qui rate, 3+, ah il a esquivé en diagonale dans la zone de tacle. Ah oui bah sur la balle directement, il arrive à prendre la balle, il arrive à se barrer avec. Bon bah, une relance bien dépensée. Il fait des GFI là je pense. Hein. Ouais, j'ai pas pu voir mais à mon avis il fait des GFI. Ça reste un 3 quarts, il a que 6 de mouvement. Par contre du coup là c'est compliqué, hein. Les guerriers du chaos sont loin, ils ont très peu de mouvement, les pourris ont pas beaucoup de mouvement, il y a un Pestigore ici qui est libre, qui n'est plus libre. Tout le monde est marqué, ça va être compliqué pour Wilhelm d'arrêter ça là. Il va falloir qu'il tente peut-être un blitz là et ou ici, essayer de venir au contact, un truc du genre. Ok, il fait un blitz là, ça passe. Ah, ça passe même bien. Et non, c'est juste une sonnette a priori. C'est toujours ça qui reviendra pas, c'est un blitzer, hein, c'est un joueur précieux. Ok, il se met un peu devant, mais c'est pas ça qui va arrêter l'attaque, hein, clairement pas. Il vient mettre de la pression. Bah là, je pense que la solution de Wilhelm, ça va être de mettre de la tatane pour forcer Amine à marquer. Hein. Parce que au combat il va perdre Amin, donc il va taper jusqu'à ce qu'Amin se dise il est temps de marquer avant que j'ai plus d'équipe. Surtout vu le premier match qu'ils ont eu où les armures pétaient tout le temps. Et après je pense que de toute façon Amin n'aurait pas Astol, hein, c'est pas du tout son trip. Il est apporté avec 2 GFI, donc il n'est pas non plus encore super proche. Hein. Ok, ici ça tombe, le solitaire. Mais l'armure tient, ok. Alors, Amin n'a que finalement son porteur de balles de vraiment libre, donc s'il avance avec, il va être un peu tout seul. Ou alors il va tenter un truc bizarre avec une passe en arrière, on va voir. Ici, le lanceur hein, qui a récupéré sa petite dextérité. Il tente les 2 GFI pour marquer, ça passe, sans relance. C'est l'ouverture du score par Amin, bien joué. Belle contre-attaque, je pense qu'on peut dire ça. Le chaos qui revient ici, donc pas de blessés, les équipes restent identiques, en plus il a 2 remplaçants. Hein. Notre ami Wilhelm, toujours une relance de chaque côté. Alors, il va faire une attaque à peu près similaire, non il met du Pestigore devant cette fois, ah bah oui il met le contamine, le pourri avec 5 d'XP à l'arrière pour faire une passe peut-être. Ah, il a 2 pourris avec 5 d'XP. Ah oui, il a vraiment eu les MVP, les pires MVP du monde quoi. Enfin les pires MVP du monde. C'est que des joueurs différents qui ont pris les MVP et qui ont pas réussi à faire d'XP. Cela dit, il gagne des relances, il a toujours la faille mais ça se voit. Donc l'un dans l'autre, c'est plutôt rentable. Alors le 3 quarts ici qui tombe. Il tient. Ici le solitaire qui tombe aussi. Ça tient, et là le 3 quarts avec bloc qui tombe également. Et cette fois ça tient pas. Et c'est une sonnette visiblement. Ok, bon, la ligne de défense est effondrée mais il y a du monde derrière. Alors est-ce qu'il nous refait son blitz vers l'arrière? Non, il préfère ouvrir au milieu cette fois. Le 3 quarts qui tombe. Et c'est une nouvelle armure qui passe. Une blessure. Le contamine qui est blessé. Une commotion. C'est une commotion. Ok, il prend pas d'appo là-dessus. La petite commotion. Donc un joueur désormais de moins côté Amine. Ah voilà, il a marqué le 4 de force avec un pourri tout bidon. Ça c'est bien. Il l'a vu maintenant. Hein. Il a pu se faire avoir. Il a fait tous ses moves. Il reste un Pestigore ici qui a rien fait. Alors le pourri qui ramasse la balle avec son flegme légendaire et il va tenter la passe j'imagine. Et cette fois ça passe sans relance. Parfait. Donc le pourri bah, le contamine à son petit niveau du coup. La balle est un
peu pas très très safe quand même, je trouve. Là, si ça tombait là, il pouvait se pointer avec deux personnes et blitzer dessus, c'est tendu. Mais bon, ça va, un banon pas blitzer vu qu'il a blitzé là. Mais... il n'y avait pas grand chose à faire pour passer, je pense. Ah, bah en l'occurrence, par exemple, une esquive qui rate et il relance pas et le jeu d'armure échoue. Il a de la chance. Enfin, réussi du coup, plutôt. Enfin, ça dépend du point de vue. Échoue du point de vue du jeu. Bon, 3 quarts au sol ici, le turnover. Là, ça va repousser. Il poursuit pour pouvoir retaper avec le pourri qui repousse encore. Le 3 quarts qui occupe bien l'équipe et qui en plus fout la merde en restant au milieu. Si j'ai pas vu ça tombe, non, ça repousse. Alors, il va être temps d'avancer parce que mine de rien le temps passe, hein, il faut égaliser. Là, ça repousse entre les deux pourris et il poursuit en plus. Donc vraiment, il met les moyens là, hein, il veut, je pense, venger la contre-attaque qui a ouvert le score. Blitz sur qui? Blitz sur celui-là qui ne veut toujours pas tomber, et puis qui ne veut toujours pas tomber, décidément. Il aura tout mis sur lui, mais ça veut pas. Alors là, il s'infiltre, non, il reste ici. Il pourrait presque tenter 2-3 piétinages, hein, franchement. Là, il se met un peu en danger. Ouh, le GFI qui rate. Il va relancer, je pense, c'est un 2 plus, hein. Voilà, parfait. Ok, il s'est collé à ses potes, mais là il y a quand même des esquives pas hyper compliquées pour lui tomber dessus. En plus le 4 de force est libre, pour le coup. Alors, c'est bizarre d'ailleurs, il était pas marqué ce... Ah, il a dû le repousser au tour d'avant, je peux faire gaffe. Donc il attaque par là, ça repousse. Ok. Il a quasiment 2 dés sur ce... Ouais, il va être compliqué à déloger, parce que là il est bien marqué par un 4 de force. Ça va être compliqué d'avoir 2 dés, parce que lui prend la place, il est marqué, donc il donne pas de support. Ah, il tape dessus, ça repousse. Et ça, c'est une erreur, je pense. Ça, c'est clairement une erreur, parce que s'il l'avait là, du coup, celui-là n'est plus... peut taper sans avoir les supports négatifs. Et du coup il a ses 2 dés sur le 4 de force. Alors que s'il était resté là, il avait les supports négatifs, il aurait fallu qu'il commit des gens pour annuler les supports et tout. Ça aurait été plus compliqué. Ça c'est une petite erreur, c'est le moment où on se dit je veux pas poursuivre pour pas poursuivre un guerrier du chaos. Et puis une fois que t'as pas poursuivi, tu te dis ah merde, j'aurais dû. Bon, pour l'instant là ça continue de taper. Heureusement les elfes tiennent bien par rapport au premier match, ils résistent bien. La balle est clairement pas encore passée, hein. Il y a du monde devant, il y a même un mec à l'arrière au cas où, le blitz est déjà utilisé. Là ça repousse encore, c'est le solitaire lui, non c'est le 3 quarts, non le solitaire est au sol, c'est le 3 quarts avec blocage. Petit recentrage de la balle, il a pas tenté le bloc, il me semble qu'il avait un bloc là, il l'a pas fait. Il a pas dû vouloir prendre le risque. Alors quand on est en replay, on a absolument aucun temps mort, mais on sait pas, hein, ça se trouve là, il a pris ses 3 minutes complètes à jouer ce tour ou pas, on peut pas savoir. Ici, blitz à un dé de la balle qui passe avec le bloc. Il tente le ramassage qui rate, il lui reste une relance, 3 plus pour le ramassage dans la zone de tacle. Il tente des trucs, c'est assez ouf, hein. Ça passe, hyper large, il avait plus de mouvement pour esquiver par contre. Et c'est pas grave. Voilà, ça repousse. Ici une esquive qui passe. Bon bah du coup Amine qui recontre-attaque, hein, il lâche pas, il la veut. Ah là il l'a peut-être été un peu gourmand là. Et puis l'armure qui pète. Non ça va. Sonner sur un GFI ça aurait pu être pire. Bon bah par contre du coup là il y a du monde, la balle va pas rester dans ses mains longtemps. Je pense qu'il voulait fermer parce que là il y avait éventuellement un chemin s'il restait ici. Mais sans relance c'était quand même risqué. Ici ça tombe, en plus une sonnette, le blitz ici, la dernière relance qui part, un double 2 au sol contre un blocage, c'est pas de bol, mais du coup il repousse, il tombe pas. Par contre il y a moyen de taper là, s'il arrive à amener du renfort, là ça devrait pouvoir le faire. Voilà, il va pouvoir cogner. Ah là 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 là! Ouh, la blessure en plus! Ça
pique. Mais il régénère, ok, bon, ça pique un peu moins. Enfin, ça aurait été vraiment... Là, là franchement, ce tour-là, les blocs... Putain, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a juste pas d'autre mot. Du coup, il y a moyen de caler un petit 2-1... un petit 2-0. Ouais, j'étais pas sûr qu'il lui restait doigt. Il y a moyen, il y a moyen. Et non. Ah bah non. Ouais, du coup, non. Là, ça va être compliqué. Enfin, il reste deux tours, donc si jamais la balle reste là, il est à portée, lui. 4. Attends, tu veux bien me montrer les zones de mouvement? Tu veux pas me montrer les zones de mouvement? Voilà, il l'a tout de suite vu, hein, faut se débarrasser de celui-là. Bon, ok, bon, voilà. Il prend même le 2 au sol, rien à foutre. C'est Chobiti qui est sonné. Il fallait juste couper les jambes de celui-là pour qu'il puisse pas marquer, et c'était bon. Willen m'a pas hésité une seule seconde, je pense, sur ce move. Alors il va peut-être tenter une petite passe à XP quand même, peut-être 2-3 blocs, un bloc ici avec le 4 de force, qui proc la répulsion, pas de chance. Alors il ramasse avec le lanceur, très bien, la passe au milieu des présences perturbantes, qui rebondit dans les mains, c'est beau, franchement c'est beau. Ah la vache quoi, il a plus que 3 d'agilité hein, mais la réception qui a permis de récupérer quand même ça. Et c'était un rebond chanceux, hein. il n'y avait pas de plongeon ou quoi que ce soit. Hein. Ça, il a juste rebondi dans les mains par coup de pure chance. Hein. Ok, ça va être désormais à Amin d'attaquer. Il va falloir qu'il confirme son 1-0 là. Qu'il conserve au minimum, voire qu'il creuse le score. Pour l'instant, il y a un blessé, donc il y a le point de blessure qui va à Willem. Alors, ok, il fait un petit placement, il aime bien les placements asymétriques à mine. Une 4 de force devant pour pouvoir taper, ok, le solitaire va sur le côté gérer la foule. Et il fait une attaque bien asymétrique, alors qu'en face c'est parfaitement symétrique, hein, mais il décide vraiment de se concentrer sur un côté. Et bah la femme qui fait le taf hein, pour Willem, encore une relance de gagner. Ah, on est du mauvais côté, hop là. Alors, là ça tombe, ici ça tombe, ça tombe pas pardon. Un dé. Et bah ouais, un dé avec bloc, bah heureusement qu'il était là, bah du coup deux crânes, comme ça c'est fait. Ça va finir par être puni, hein. les blocs à un dé avec ou sans blocage, au bout d'un moment ça passe pas. Ici c'est un petit chaos, pour un pourri c'est pas la mort. Hein. Alors le receveur qui s'infiltre, ici le solitaire qui va foutre un petit peu la grouille. Ici bloc à un dé avec son blitzer qui passe encore, qui n'est pas puni, en plus la sonnette. Je pense que Willem doit commencer à chauffer un peu là. Enfin, t'as comme moi à sa place, je serai un petit peu chauffé. Il va être temps de ramasser la balle. Avec qui? Avec un 3 quarts tout bidon qui fait une passe, qui rate. Allez, dis donc, ils ont vraiment. Ils cherchent l'XP, hein, c'est un truc de fou. Hein. Les deux là, ils veulent leur petit point d'XP à chaque tour. Hein. Bon, après, ça restait relativement safe, hein, les Nurgle ont très peu de mouvement, donc la balle est très loin pour eux. Mais bon, ça peut quand même foutre la merde, hein. S'ils nettoient la ligne de front et qu'ils passent, voilà un petit chaos là. Ça peut être compliqué à remonter, comme balle. Surtout qu'il a ses 3 relances, hein, Willem. Bon, Willem il a pas peur, il va avec ses guerriers du chaos dans la mêlée. 9 d'armure, hein, ce serait con de se priver. Alors, un pouce-pouce ici, il repousse par là, ok. Ici aussi, ça repousse mais cette fois ça tombe, il repousse le receveur dans les pattes d'un pourri. Ils sont un peu englués les elfes là, ça va être compliqué d'en sortir. Là ça sent les tours à se faire tabasser pendant quelques temps. Il y a éventuellement une petite sortie par là mais c'est pas facile. Alors là il se barre avec le 3 quarts, il sent la menace, il va prendre la dextérité pour ramasser. C'est bien. Est-ce qu'il va tenter une passe dans les zones de tacle et les présences perturbantes?
Il est juste en dehors de la présence perturbante, c'est bien joué. Mais ça a raté. Ça a raté. Ça a raté 3+. Et il a fait un 2. Ah oui, c'est vrai. La compétence, on l'a signalé dans les commentaires ou sur Discord, je sais plus. C'est le lancer précis. Le lancer précis qui est probablement une des meilleures compétences de passe en fait de Blood Bowl, hein, qui fait que sur tout autre jet, enfin sur tous les jets autres qu'un 1, et ben il conserve la balle dans les mains et ça fait pas de turnover. Donc, du coup c'est quand même hyper intéressant quoi. Là il a à peu près protégé la balle, même s'il a fini sur un turnover, ça évite. Au bout d'un moment j'avais dit hein, les 1D, voilà, hein, ça paye. Hein. Enfin, ça se punit. Alors là, ça tombe. Ok. Il y a un petit chemin. Alors, il peut plus blitzer, mais il y a un petit chemin pour aller coller la balle. Voilà, c'est fait. Il y a toujours des possibilités. Où est son autre receveur? Ouais, bon, ok. Lui, il va se faire défoncer. Voilà. Ça, c'est fait. Il a esquive quand même, mais ça suffira pas. Là. Un pot. Un petit blitzer qui se bouffe un pot. Ça passe pas. Le 3 quarts qui résiste. Là il va aller foutre un petit peu la merde à droite à gauche. Un Pestigore, ça qui est par terre. Ouais, je l'avais dit, hein, là ils sont un peu englués et c'est quand même le Nurgle qui a le bonus de force. Hein. Donc il va perdre le combat ici, Amine, c'est sûr. Pas mal, bien joué le blitz ici pour s'extraire. C'est plutôt propre. En plus du coup il peut enchaîner un autre bloc ici et se débarrasser de la zone d'attaque finalement. Nickel. Donc le ballon n'est plus marqué, maintenant il va falloir le sortir de là. Ah bah j'imagine par une passe vu comme il est parti. Ouh, j'ai fi qui foire. Relance. Il se sent pas de rester comme ça dans la merde. Et là il fait quoi? Il tente une passe. Trois présences perturbantes, les zones de tacle, et il garde la balle grâce au lancer précis. Bon, elle est menacée, on va pas dire le contraire, mais mais quand même quoi, ça aurait dû être un turnover direct. La passe au milieu des trois présences perturbantes et tout complètement à l'arrache. En plus c'était une bombe, pas loin. Allez, bloc à 2D sur la balle. Ah, il en a marre, William, il relance, il faut que la balle tombe. Ça se comprend. Ah, une sonnette sur le signe noir, la balle tombe pas trop mal. Il y a de la zone de tacle, mais il faut l'enlever. Bah, du coup, il repousse sur la balle. Rebond. Et c'est le 6+ sur la réception. Parce que bien sûr, c'est un receveur qui était là en plein milieu de la mêlée, parce que pourquoi pas. Allez, cette fois il tombe, sonnet aussi. La balle qui rebondit. Bon, les pourris sont moins efficaces que les receveurs au elf, hein. C'est bien connu. Là la présence perturbante qui joue et la balle qui rebondit tout là-bas finalement. Donc il a encore moyen de se débarrasser des gens, il va pouvoir se libérer un pestigore ici. Trois sonnettes dans le tour, ça va être compliqué. Ah, il blitz avec le pestigore. Ah oui, parce qu'il a pas de dés là, il y a un mec qui annule. C'est qu'il avait 2 dés avec son pourri là. Et ramassage qui passe. Et il se barre avec. Alors il se barre avec pas loin, hein. les Elfes sont quand même plutôt rapides. Petite défense avec un pourri de renfort. Ici il fait tomber Quack, grand-père de Quack. Et il reste bien sûr au contact du 3 quarts. Bon, il y a éventuellement peut-être un blitz à un dé là, mais bon c'est 6 de mouvement. Il préfère venir en défense. Défense marrant, hein. Défense similaire exactement à ce qui s'est fait là-haut, la compo est quasiment pareille. Ah, une petite blessure encore sur un Pestigore. Et cette fois ça régénère pas. C'est juste une commotion, mais ça fait quand même un joueur de moins, ça équilibre. Bon, il y a du remplaçant, il y a du pourri remplaçant. Voilà, là Amine a compris qu'il fallait ramener du monde. Le receveur se barre pour revenir ici. C'est un receveur avec 3 d'AG, hein, donc l'esquive est pas si simple. Blitz à 1D avec un 3 quarts sur la balle. Ah non, pardon, il a blitzé. Enfin, j'ai pas vu, il a probablement blitzé un dé là quand même, mais il colle la balle du coup. Difficile de coller avec une seule personne, hein, parce qu'avec les cornes, les pesticores peuvent assez facilement se débarrasser des zones de tacle autour.
Voilà, d'ailleurs, il le fait. Ça tombe, le trois quarts qui chute. Bim. Alors il s'est décalé vers l'arrière, mais il a gagné une case vers la gauche. Il part vers la gauche. C'est vrai que du coup c'est un peu moins menaçant. Lui est quand même à 8 de, ah, il a 8 de mouvement, hein. C'est un receveur au elf, c'est quand même pas mal. Mais là, je pense qu'il doit plus ou moins parier sur le fait qu'il y aura plus grand monde de debout. Pour l'instant, c'est pas une réussite. Ok, là ça tombe, parce que s'il avait juste repoussé, ça aurait été vraiment compliqué pour lui. Le petit Pestigore qui vient protéger un petit peu sur ce côté-là pour que le 4 de force se sente pas des ailes. Alors là, 8 de mouvement, on va voir hein, toute la violence du jeu elf. Hein, le mec, il était là au tour précédent, maintenant il est marqué à la balle de l'autre côté du terrain. Ça fait mal. Ah, il va pas faire de miracle niveau combat, hein, mais ça force à faire des jets, ça fout un peu la merde. Le 4 de force qui s'extrait de la mêlée. Ici, l'esquive qui rate. Est-ce qu'il reste des relances à Amine? Non, plus de relance. Et du coup, c'est une mort! Le 3 quart à 3 d'XP qui meurt. Il prend l'apothicaire. Pas de blessure. Ok, du coup, il rejoint les remplaçants. Ah, la mort sur une esquive. Ah, ça compte pas comme point pour. Je crois pas hein, que ça compte comme mort pour Wilhelm, mais ça piquerait quand même. Là ça repousse, il a juste besoin de ça, il est à portée, je pense pas qu'il va tenter de truc, non, il va marquer direct, voilà. Bien joué Wilhelm qui, bah du coup contre-attaque à son tour, hein, mine de rien, et égalise sur 1-1. Le match n'est pas terminé, il reste 3 tours à Amin pour égaliser, le KO qui revient ici, ici blessé. Le chaos qui ne revient pas, heureusement que son joueur a rejoint les remplaçants, il sera pas trop en sous-nombre. Enfin juste de 2 quoi. Alors va falloir attaquer, il reste 3 tours, avec les hauts elfes c'est carrément jouable de marquer en 3 tours. Hein. Faut juste faire attention. Coller à la ligne c'est toujours un risque, hein. On gagne une case pour le tour, mais c'est toujours un risque s'il y a une défense parfaite, un truc du genre. Et un blitz, c'est pire. C'est pire qu'une défense parfaite. Donc direct, bam, blitz sur le 3 quarts, qui repousse heureusement, c'est toujours ça de pris. Bon, par contre, tous ces joueurs vont finir avec un KO au cul. Bon, la balle est safe, elle est trop loin, mais par contre, voilà, hein, ça va être la teuf du collage. Il va empêcher de bloquer ici en mettant de la force. À nous permettre d'annuler les supports. Le petit pourri qui avance. Alors que les deux receveurs sont là en plus, donc il sait que globalement il a plus qu'à se focus ici. Ils ont quand même 4 de force les 3 quarts, mais là pour s'infiltrer ça va être compliqué. Il met quand même quelqu'un là en sécurité. Ok. Bon, il va falloir faire tomber ce guerrier pour pouvoir faufiler les receveurs, ça va pas être forcément évident. Ici il a quand même un bloc avec son 4 de force, mais ça rate. Et j'aurais peut-être pas poursuivi moi, ouais, faut voir. Il est quand même un petit peu dans des conditions compliquées là. Voilà, alors là par contre du coup voilà, il est obligé de faire le tour, ce qui fait que c'est un peu merdique niveau avancé. Le bloc à un dé qui paye encore. Hein. Alors, il reste là avec la balle, il reste là avec la balle, il est pas trop en danger, ça va. Les Nurgles sont toujours aussi lents. Ah, par contre là, esquive qui rate, ça c'est dommage, il aurait fallu continuer de marquer ce joueur, même si tant pis c'était un receveur. Je pense qu'il aurait dû rester. Ce serait pas une tatane hein, mais bon. Là clairement il avait juste besoin que lui reste démarqué, donc éviter que d'autres joueurs se libèrent quoi. Et là du coup il va pouvoir taper ici, libérer ces deux joueurs là et son receveur jamais il ramassera une balle. Ici il a blitzé carrément, il a assez de mouvement pour se coller à la balle. Avec des GFI, ouais, avec des GFI ça passe. Ça repousse. Il a suffisamment de monde pour pouvoir mettre un 2D sur le 4 de force. Le 4 de force qui tombe. Et qui tient le coup. Pas mal. Une grosse mêlée encore au centre, hein, le Nurgle c'est ce qu'il cherche, hein. Amine lui a offert pour le coup. Donc là comme prévu il va le marquer, je l'aurais peut-être mis FM bien avant moi. Ça, pour le... Ah, ça tombe.
pousse par-ci qui est mort. Un blitzer avec 5 d'XP qui meurt, il n'y a plus d'apothicaire. Aïe 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 aïe, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça fait très 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 mal. Bon, ici il arrive quand même à libérer le receveur. C'est plutôt cool, il va pouvoir essayer de se barrer. J'imagine qu'il va tenter une passe. Par contre, j'aurais peut-être tenté la passe avant pour le coup. Juste regarder la présence perturbante. Ah, je peux pas regarder quand je fais en pause, sérieux. Passe, intercepte ou attrape le ballon. Il aurait eu un malus parce qu'il était dans une passe perturbante, mais ici il va être dans deux passes perturbantes. Ouais, bah ça va, il a réussi à envoyer la balle quand même. Mais ouais, c'était compliqué. Là, vu qu'il avait réussi à enlever la zone de tacle, je me serais avancé ici à peu près hors des zones, tenter la passe. Ouh, la relance de Willem qui claque ici, là, ça a failli être critique. Il arrive quand même à libérer son Pestigore qui va pouvoir tenter des trucs. Soit de ramasser, soit de passer. Non, il tente pas le ramassage sans relance. Il va se contenter de marquer, de faire des jets. Ah, et ici c'est le crâne sur un guerrier de Nurgle. C'est pas fini, hein. Il reste un tour. Y a moyen, là, même un blitz. Ah, l'esquive, dommage. L'esquive. Bon, de toute façon, même s'il avait blitzé à un des là, c'était un 1 qui tombait, donc c'était le crâne, donc c'était le turnover. Donc de toute façon, c'était foutu. Willem va certainement taper un peu pour essayer de se prendre un peu d'XP. Il a porté lui, je crois pas. Un chaos sur Quack. 1, 2. Oh putain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, il est. Ah, ça quoi, 6 de mouvement, ça. Si, il est à portée avec un GFI, hein, il peut tenter un truc. Tenter de libérer la balle là, une bombe, ou peut-être une transmission. Ah, chaud la transmission. Bon, il arrive déjà à libérer son Pestigore, faut ramasser maintenant. Ça passe. Maintenant, où il va? Ici, une passe longue dans les présences perturbantes. Eh oui, les présences perturbantes, c'est tout le monde, hein, même les alliés. La passe qui rate, dommage, ça se tentait, hein, en même temps, il n'y avait pas trop de. Pas trop d'autres choses à faire. Du coup, ça se terminera sur un 1-1. Et ben, bon match, franchement. Du coup, deux MVP qui reprennent. Alors, cette fois, il va avoir son petit XP ici. Et Quack, grand-père de Quack, qui a bien mérité dans ce match, hein, qui a fait le taf. 8 sur 6 également, un petit niveau. Un beau match en tout cas. Malheureusement, hein, pour Amine, encore un mort, donc ça va devenir compliqué. Deux solitaires probablement, où il va peut-être pouvoir racheter un 3 quarts, mais en tout cas, il aura. M'étonnerait qu'il ait de quoi racheter un blitzer. Niveau XP, bah on voit bien les petits 1 d'XP qui traînent à droite à gauche. Ça c'est quand même pas mal, hein, côté Amine, hein. 5 d'XP ça veut dire un touchdown et une blessure. Et une autre blessure ici. Ou alors deux passes. Deux passes. Non, 0 passe. Pas de passe. Au niveau des jets. 12-16, 21-11, ouais bah ça s'équilibre. Hein. Plus de 5 que de 11 et un petit peu plus de 1 que de 2, pardon. Plus de 5 que de 2, un tout petit peu plus de 1 que de 6, ça s'équilibre. Les elfes du cygne, bah lui pour le coup c'est quasiment bien réparti au niveau des blocs. Ça va, franchement ça va. Et là, ouais, là par contre on les a vus, hein, les relances cramées sur les deux au sol. Là clairement on a vu l'intérêt du blocage chez Amine, hein, les blocs à 1D tout le temps, machin qui passe, même quand il c'est des deux au sol, bah ça passe. Il n'y en a qu'un seul je crois au final qui a échoué. Quand il a essayé de faire un bloc à 1D avec son receveur et que ça a pété. Ouais, les blocs à 1D, hein. Tous ces blocs à 1D là, qui sont passés grâce à blocage. Et il a pris les bons joueurs pour les faire, hein, je dis pas le contraire, hein, mais c'est risqué quand même, les blocs à 1D. Faut que tactiquement ça soit valable. En tout cas, un très beau match, bravo à tous les deux. Donc égalisation, Amino a réussi à arracher l'égalisation suite à sa défaite du premier tour. Dans tous les cas, laissez un petit commentaire pour encourager les joueurs, dire ce que vous avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.